Voilà, nous allons vous présenter aujourd'hui le paramétrage de l'interface senior en partant d'une page blanche, comme vous voyez. Donc, on peut très bien avoir l'interface senior avec uniquement la page d'accueil et 6 cases. On peut même éventuellement supprimer carrément ce bandeau sur le côté et ne laisser que 4 cases, voire 2 cases seulement. Ou on peut laisser les 6 cases et ne paramétrer qu'une seule case et progressivement remettre des cases comme on veut. Donc en fait, là, dans le standard, comme vous êtes livré avec une quinzaine d'applications préinstallées, mais vous pouvez tout reparamétrer. Donc vous pouvez le faire vous-même, mais vous pouvez demander aussi au formateur accompagnateur de le faire pour vous. C'est-à-dire il se connecte à l'appareil, la tablette ou le smartphone, et il va vous reparamétrer ce que vous voulez, c'est-à-dire mettre sur l'écran uniquement, si vous voulez, une seule icône ou plusieurs, ou vous expliquer comment le faire pour que vous puissiez le faire la prochaine fois, si vous ne voulez pas redemander au formateur accompagnateur. Donc le formateur accompagnateur est là pas seulement pour vous faire le paramétrage si vous avez besoin, pas seulement pour un petit problème, mais pour vous expliquer aussi le paramétrage si vous désirez le savoir. Voilà, donc il y a différentes choses. La première chose à faire, c'est que si vous voulez changer, mettre une icône ici, il suffit d'appuyer sur les trois petits points. Vous avez configuré les boutons là, et là le mot de passe en général, on la met inserti, de façon à ce que ce soit un mot de passe qui bloque, si vous voulez, pour accéder au paramétrage, mais pas un mot de passe qu'on ne se retient pas. Un mot de passe très simple à retenir, de façon à ce que c'est juste du blocage pour éviter des fausses manipulations. Donc là, par exemple, je vais vouloir mettre une icône. Là, je vais mettre une application. Je vais mettre Skype. Je vais chercher mon Skype. Hop. Je rappuie dessus. Et je vais changer mon icône. Et je vais prendre mon icône Skype dans toutes mes icônes. Voilà, j'ai mis mon icône Skype. Et je peux m'arrêter là si je veux. Et la tablette ne sert que ça. Que Skype ou qu'une application. Ou qu'un jeu, que rien d'autre. Ou alors une application spéciale santé. Ou s'il s'agit d'un téléphone, que du SOS. Vous pouvez faire ce que vous voulez. À savoir qu'en plus, toutes les tablettes n'ont pas de blocage clavier, donc pas de blocage écran. Donc quand vous rentrez directement ici. Voilà, ça c'est un exemple. Après, on peut y retourner. On peut rajouter. Alors, ce que l'on peut faire d'autre aussi, qui peut être. Très très sympa, c'est-à-dire que si vous avez plein de jeux, mais vous ne voulez pas mettre tous les jeux sur l'écran d'accueil, vous pouvez faire un renvoi vers un autre écran qui va être un écran des jeux. Donc par exemple, là je vais mettre aller à l'écran, et là je vais ajouter un écran. Quand j'ai ajouté un écran, je vais changer l'icône et je vais mettre une icône jeu qui renverra directement ensuite vers les jeux que j'aurais mis derrière. Ah, je me suis trompé, hop. Je renvoie vers l'icône jeu. Je veux rajouter une deuxième page derrière. J'utilise le même principe. Là, quand j'appuie sur jeu, alors, hop, là je suis revenu, je suis sorti du paramétrage, on voit la batterie qui apparaît. Et là, j'accède à une page de 4 et après je remplis mes cases comme je le désire, avec les jeux que je désire. À savoir qu'on peut. Si on le veut dans les paramétrages, ne mettre moins de cases. Je vais vous montrer par exemple dans les préférences. Donc là, toujours pareil. J'ai mon mot de passe. Et là, j'ai un ensemble de choses. Je peux changer l'apparence, la taille du texte, le thème. Je peux inverser un thème. Je prends un thème sombre. Voilà. Et vous allez voir. Voilà, vous êtes en inversé. Ce qui peut être utile pour des personnes qui ont des problèmes de vision. Et là, je peux changer mes icônes et mettre des icônes écrites en blanc. Donc, ça, c'est aussi une autre solution. Préférence. Voilà. Vous avez plein d'options d'accessibilité pour rendre pratique l'utilisation. La personnalisation des boutons, les téléphones, messages SOS, ça concerne uniquement s'il y a la partie SOS. Ensuite, vous pouvez accéder aussi à Android. Il suffit d'appuyer là, paramètres système. Toujours le même mot de passe, c'est toujours le même mot de passe, s'il y a un seul mot de passe. Et là, vous accédez directement des paramètres système. Ça ne veut pas dire que vous êtes dans Android, vous êtes juste dans les paramètres système d'Android. Après, vous pouvez aussi repasser dans Android si vous le désirez, quand vous en avez besoin. Voilà pour la présentation des paramétrages de l'interface senior.